Ayúdame a saber cuándo terminará este juego de celos y rencores, más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás viendo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal, hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma, que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Te pido, te lo pido. Vous êtes Monsieur Louis? J'ai trouvé son mari. Il est disposé à parler et témoigner que des gens du gouvernement ont acheté son silence. Non, vous ne pouvez pas passer, madame. C'est mon frère, lâchez-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est inconscient, mais il a des signes vitaux. On le transfère à l'hôpital de la Croix-Rouge. Où suis-je? Oh, ma chérie, tu es déjà levée? Tu m'as battue. Je t'ai préparé une changuita et du chocolat pour un petit déjeuner délicieux. Merci. Oh, Sainte Vierge, merci. Merci, Sainte Marie. Tu n'imagines pas comme je suis heureuse de t'entendre parler. Je ne veux pas t'embêter, mais... Mais tu vas me raconter ce qui s'est passé au Mexique? J'ai pas envie de parler. Pas encore. Prends ton temps. Prends ton temps quand tu voudras, mon trésor. Mais couvre-toi. Couvre-toi, ma chère, car le vent souffle fort et si tu prends froid, ce sera encore pire. Je vais te chercher une écharpe. Couvre-toi, ma chérie. Voilà. Oh, ma chérie, mon trésor. Je vais chercher mes médicaments. D'accord? Je reviens. Merci. Maman. Tu pars déjà? Tu n'attends même pas tes enfants? Je dois y aller, maman. L'idée, c'était de prendre le petit déjeuner ensemble. Mais ils ne sont pas là. Oh, et moi qui croyais que tu voulais manger en compagnie de ton adorable mère. C'est évident. Et la marmelade? Elle est là. Ah, merci. Voilà. Bien sûr que j'adore la compagnie de mon adorable mère. Mais je dois y aller, là. Que Dieu t'accompagne. Toi aussi, maman. Juana, veuillez rappeler à mes enfants qu'aujourd'hui, on mange avec Paola. Bien entendu, monsieur. Merci.
Excuse-moi. Au revoir, chérie. Tout va bien, madame? Oui, tout va bien, merci. Qu'est-ce que c'est silencieux, hein? J'avoue qu'Arcadia me manque parfois. Puis je me souviens que c'est une voleuse et hop, ça passe. C'est un mandat du juge pour découvrir l'origine de l'explosion de la maison de Santa Marina. Si c'était moi qui étais chargée de l'enquête, tout ça serait plus simple. Mais celui qui s'en occupe... Je sais, c'est Julian Rodriguez. C'est pédant qui croit qu'il est du FBI. Mais Irène, tu peux tout encaisser. Écoute, tu es le meilleur agent de ce pays. Vrai ou faux, hein? Oh, inutile de me flatter, Facundo, ça ne dépend pas de moi. Il me faut 2 kilos, s'il vous plaît. Alors, c'est un non définitif. C'est un... qui sait? Qui sait, qui sait, qui sait... Je te rappelle. D'accord, j'attends ton appel. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Hein. Bonjour, belle au bois dormant. Bonjour. Depuis quand tu es là? Eh bien, assez longtemps pour comprendre que ta petite amie est flic. Oh non, c'est pas ma petite amie. J'essaie juste de... d'obtenir un mandat du juge pour retrouver la trace de Paola. Et cette petite amie flic est du genre à donner des coups de pied et à foncer dans le tas? Non. Attends, je fais tout cramer. Oh, bon sang. Regarde, je te prépare un petit déjeuner très spécial. C'est ça. T'essaies de me distraire avec de la nourriture. Attends. Goûte cette sauce, elle est délicieuse. Je viens de la faire avec du basilic frais. Je l'ai cueilli au potager. Tu aimes? Tu es très doué. Bien sûr que je suis très doué. Manuel, pourquoi tu es habillé? Tu dois te reposer. Non, je ne peux pas rester enfermé une minute de plus. Je dois savoir ce qui est arrivé au corps de Paola. Non, écoute, mon frère, même si tu retrouves son corps, ça ne changera rien au fait qu'elle soit morte. Je t'en prie, prends soin de toi. Je ne me sentirai pas en paix tant que je ne saurais pas. Je dois savoir où est son corps. Je ne veux pas l'imaginer dans une fosse commune. Il faut que je la trouve pour lui donner une sépulture digne où je puisse aller me recueillir. Attends, assieds-toi, s'il te plaît. Manuel. J'ai déjà vérifié. Paola a été incinérée. Il n'y a rien que tu puisses faire. Hein? Tu vas voir. Au fil du temps, tu l'oublieras. Et je vais t'aider. Hein? D'accord? Reste ici. Je vais acheter tes médicaments. Le docteur Silva m'a appelé pour m'informer que Paola va bien mieux et qu'elle pourrait même sortir bientôt. Ah, bonne nouvelle. Que faites-vous là? Pardonnez-moi, monsieur, mais Maître Van Roel a insisté pour vous attendre ici. Comment êtes-vous entré ici sans rendez-vous? Monsieur le Président, je sais que votre temps est précieux et je considère qu'il est inutile de le perdre pour des futilités. J'ai des informations très importantes à vous transmettre si vous pouvez m'accorder un instant. Hein? Ça en vaut la peine. Asseyez-vous. Pardonnez-moi, mais je préférerais que nous en parlions seul à seul. Salut. Désolé, j'ai passé la matinée à m'occuper des commissions. Et Madame Olga, elle est sortie? Oui, acheter des médicaments. Ah. Et dis-moi ce que tu fais avec ces 2 gilets. Je me rappelle encore quand Madame Olga les a tricotés. Elle n'enlevait jamais le sien, même pour aller dormir.
Tu sais, je suis heureux de voir que tu ailles mieux. Permettez-moi de vous prévenir, Maître Fanroul, que si vous venez appuyer le projet du nouveau Santa Fe, vous perdez votre temps. Je le répète, c'est non. Je ne permettrai pas que ce projet aide des millionnaires à continuer de s'enrichir au détriment de ceux qui sont dans le besoin. Si j'étais vous, je n'affirmerais rien. J'irais droit au but. Je détiens des informations incriminant deux des personnes les plus proches de vous. La conseillère Gemma et Facundo Nava, qui semblent impliqués dans un mystère en rapport avec l'accident de Susanna, votre première épouse. Veuillez sortir immédiatement de mon bureau. Je vous signale que vous parlez des deux personnes qui ont ma confiance absolue. Je ne vous permets pas de les calomnier, alors sortez de mon bureau. Très bien. Je pensais que vous auriez réagi de manière moins viscérale à ce sujet. Je suis sûr que de nombreux médias se disputeront cette information. Ah, j'allais oublier. Le mari de la femme qui est morte dans l'accident s'est avéré du genre bavard et... Quelle femme? De quoi parlez-vous? Quelle femme? J'imagine que je peux me rasseoir. Écoute, je sais que toi et moi, c'était plutôt compliqué dernièrement. Mais tout ce qui est arrivé m'a fait réfléchir. J'aimerais que... qu'on soit de nouveau ensemble. Je veux te reconquérir. Pour qu'on soit de nouveau heureux. Non. Pardon? Pardon? Je pensais... Mais peu importe, parce que je comprends que tu sois... comme ça, que tu aies besoin de temps. Je vais t'attendre. J'attendrai le temps qu'il faudra, je serai là. C'est tout ce qui reste. Le bâtiment de la police réduit en cendres après que Facundo Nava y a mis le feu. C'était un accident. Et que diriez-vous si j'ajoutais que les flammes ont fait disparaître des preuves qui incriminaient votre défunte épouse dans la mort d'une femme innocente qui se trouvait au mauvais endroit, au moment le moins opportun? Votre femme l'a tuée. Quel ami précieux. Sacrifier son badge pour vous. Et ce n'est pas tout. La conseillère Gemma a versé de l'argent à cette famille pendant des années pour acheter leur silence. Je n'étais pas au courant de ça. Non, vous n'en saviez rien, mais maintenant, si. Ces deux personnes vous ont mis dans le fauteuil que vous occupez. Que voulez-vous? Oh, rien de difficile, simplement la validation du projet nouveau Santa Fe. J'attends votre réponse avant 20h. Bonne journée, monsieur le président. J'aimerais te demander quelque chose. Je ne vais pas faire le dur. Si tu as tout changé, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un au Mexique. Je demande parce que quand je t'ai appelé, tu ne m'as rien dit. Et regarde là, t'es bizarre, tu t'exprimes pas de la même façon. Oui, il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas ce que tu crois. J'étais au Mexique car on m'a piégé. La fondation qui devait me donner de l'argent s'est avérée être une fraude et m'a pris le mien. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je serais venu tout de suite t'aider. J'avais promis de trouver de l'argent pour les enfants. J'ai dû faire... un certain nombre de choses pour... l'obtenir. Comment ça, certaines choses? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, ne me dis pas si tu veux pas. Mais pourquoi tu ne nous as pas appelés, hein? Tu sais que j'ai beaucoup de mal à accepter mes erreurs. Hein? Depuis quand t'es aussi orgueilleuse? C'est pas de l'orgueil, c'est obtenir ce qu'on veut. Tu vois? Alors tu t'en rends compte? L'humilité, ça sert qu'à se faire traiter comme un paillasson. Hein? On en avait parlé. Je pense que tu comprends enfin que l'argent, c'est important. Oui ou non? C'est vrai. Wilson, pendant que j'étais au Mexique, ma mère est allée voir un médecin, c'est vrai? Oui, oui, le docteur Restrepo. Tu peux l'appeler pour qu'il vienne, parce que je me sens pas très bien. Je vais l'appeler, t'en fais pas. Attends-moi ici. Hein? Mmh.
Et voilà. Il est très légèrement grillé pour garder l'arôme du café. Juste un peu d'acidité. Et les grains ont été fraîchement moulus. Ça sent très bon. Oui. Non, 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 non. Quoi? Oh, tu viens de le gâcher. T'es un vrai touche-à-tout. Voilà ce que tu es. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voici vos médicaments. Merci. Je reviens pour vérifier votre tension. Merci. Ah, pourquoi ne pas envoyer Montse au lieu de Miss Sympathie? Ah, je t'ai pas dit. Quoi? Ils ont viré Montse quand tu as été admise. Pourquoi? Parce que Carlos a cru qu'elle faisait mal son travail, comme elle n'a pas vu que tu allais mal. Oh. Mais grâce à elle, j'ai découvert la vérité. Mais Montse a été ma meilleure amie, ma confidente. Sans elle, je ne m'en serais pas sortie. Il faut pas qu'elle parte. Oui, Gemma, j'écoute. C'est compris, j'y vais. Un problème? Je suis attendu en urgence au bureau du président. Dès que je reviens, on finit notre conversation. Ouais. Déguste ton café. Merci. Et surtout, n'ajoute plus de sucre. Oui, docteur. Écoutez, il faut que je travaille. Peu importe si c'est à mi-temps, à temps complet ou à la journée, comme vous voulez. Je peux gérer, je sais pas, par exemple, le secrétariat ou faire les photocopies, mais je dois travailler. Je peux même faire... Oui, docteur. Merci beaucoup. J'attends votre appel. Merci. Oh, comment je vais faire? Allô? Madame Paola? Comme je suis heureuse d'entendre votre voix! Oh, comment allez-vous? J'étais tellement inquiète pour vous, je suis tellement préoccupée. Dites-moi, comment allez-vous? Non, je ne pleure pas. Enfin, si, un peu, mais vous savez comment je suis. Dites-moi, on s'occupe bien de vous? Oui? Bien sûr que oui, certainement. Bien sûr que je peux. Oh, c'est loin. Peu importe. Peu importe, mais... Accordez-moi une seconde, je vais chercher de quoi noter l'adresse. Attendez. Bonjour, madame. Bonjour, mon joli petit coquin. Dis, Dina. Bonjour. Arcadia, ponctuelle comme toujours. Bonjour. Quoi? Vous jouez les gardes du corps maintenant? Je vous attendais pour vous parler en personne de votre dette. Écoutez, je suis une cliente régulière et... Et une débitrice régulière aussi. Nous ne pouvons plus vous faire crédit. Dites, vous savez à qui vous vous adressez? Je sais parfaitement qui vous êtes, comme le reste du pays. Mais le pays ignore tout de vos dettes de jeu, n'est-ce pas? Je vous suggère donc de payer tout ce que vous devez. D'ici là, vous serez banni de tous les casinos. Banni? Moi? Comment osez-vous? Madame, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à le croire! Les deux personnes en qui j'ai le plus confiance et pour qui je mettrais mes mains au feu si c'était nécessaire me poignardent dans le dos! C'est que... Nous ne... Je ne veux pas d'excuses! Pourquoi m'avoir caché une chose d'une telle ampleur? Carlos, on a peut-être mal agi, mais la fin justifiait les moyens. Ah, la fin justifiait les moyens! À qui j'ai affaire, ma conseillère politique ou un membre de l'opposition? Ce n'est pas comme ça qu'on agit, nous! En tout cas, pas moi! On devait te protéger, Carlos. Si ça se savait, c'en était fini de ta carrière. T'étais dévasté par le suicide de Susanna. T'aurais pas supporté de savoir qu'elle avait tué quelqu'un. On en a parlé, Carlos. On en a discuté plusieurs fois. Ça n'a pas été facile. On pensait qu'on faisait le bon choix. Et il a raison, Facundo. Si tu l'avais su, non seulement ça t'aurait anéanti, mais ça aurait détruit ta carrière politique. Et comment savoir que vous ne me mentez pas maintenant? Pas la peine d'être injuste. C'était peut-être pas la meilleure décision, mais t'aurais fait la même chose pour nous. En cet instant, je vous présente ma démission, monsieur le président. Faites ce que vous avez à faire.
Pour ma part, j'ai la conscience tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai protégé mon ami. J'ai protégé ta santé, ta carrière, et je crois toujours que tu es ce qui est arrivé de mieux à ce pays. Excuse-moi sincèrement de ne pas t'en avoir parlé avant. Mais si ça devait se reproduire, je ferais exactement le même choix. Je te demande juste une dernière chose. Ne cède pour rien au monde au chantage de fin de rôle. Je suis prêt à en assumer les conséquences. J'ai le mandat du juge. Écoutez, j'ai pris le métro, deux cars puis deux bus. On m'a touché, monsieur. Vous savez le temps que j'ai mis à venir? S'il vous plaît, laissez-moi passer. C'est pas possible, madame. Oh, la première dame m'a demandé de venir. Je n'ai pas ma blouse, mais je suis son infirmière. Elle m'attend. Je n'ai pas l'autorisation, madame. Je vous en supplie, monsieur. Attendez. Que se passe-t-il? Cette dame dit s'appeler Montserrat Villasenor. Elle serait l'infirmière de madame Miranda. Qu'elle entre, je me porte garant. Bien, docteur. Avancez, madame. Tout droit. Il me fait passer, mais il ne m'attend même pas. J'étais inquiet pour toi. Allez, assieds-toi. Non. Non, lève-toi. Allez. Tu vas passer ta journée à pleurer ici. Allez, enfile tes chaussures. On va boire un mezcal. Allez. Qu'ils sont beaux, ces chevaux. Ils sont magnifiques. Oh, regardez-moi ça. Oh, quel...